Rebonjour YouTube. Allons retrouver la route de Kara. Ça fait penser à Westworld un petit peu, Julian. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Vamos. Bien. On va donc se couper les cheveux. Je pense que c'est le passage un peu mou du jeu, tu sais, où l'action descend. Tellement joli, Kara. Elle va pas la laisser dans la... Ah ouais, la notion du risque, en fait, non, c'est un truc... C'est trop mainstream. Alors, explorer les environs, changer d'apparence, explorer le quartier, se couper les cheveux, trouver de nouveaux vêtements. Déjà, on va aller se faire la maison. Ah, mais on n'a plus la pince en fait. Ah, dommage. Bon, tant pis. Ça devient androïdophile. Gamoff, en fait, on suit trois histoires. On suit trois histoires différentes. Des ciseaux. Donc, on n'a pas besoin d'aller chez le coiffeur. Et ça, c'est cool. Aïe, aïe, aïe. À quoi elle va ressembler? 1000 bits! Air Force! Alors, ce D3, comme tu l'attendais, une tuerie. Une tuerie. Et quand R6? Demain? Demain soir. Coupé. L1. Ok. Merci beaucoup Air Force pour tes 1000 bits. Ah ouais, donc elle est devenue brune avec un ciseau. Nouvelle couleur de cheveux, blanc, noir. Blanc. Blond. C'est trop bien. Noir. Brun, blanc. Quoi? Ah, brun, c'est pas mal. Sinon, blanc, c'était cool. Hein. Moi, j'aime bien blanc. Ah bah, ils arrivent 2 heures après. Excellent. Merci beaucoup. Ouais, blond 1000 fois. Non, on va jamais être d'accord. On va jamais être d'accord, les gars. Ouais, on part sur du blond, ça fait ultra sage. Ah ouais, tous ils se décident en fait à retirer ça quoi. Ah bah d'accord. Ah bah excellent. Roux. Trouver de nouveaux vêtements. Sérieusement? Mort aux androïdes. Aïe 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 aïe. Pied de biche. Blouge. Le pied de biche, bien évidemment, pour ouvrir le coffre. Et moi, je croyais qu'on allait en ville. C'est pour ça que je me disais, putain, elle la laisse dans la voiture. C'est ouf. Boum! Pas de spoil, hein, Air Force. Ou n'importe qui. Redwood, pardon. J'ai vu que tu connaissais le jeu, je crois. Zéro spoil, les potes. On se croit dans The Division.
Oui, je vais stream les conférences de l'E3. Tout à fait. Je vous ferai un planning. Non, Karma Design. Enfin, en privé si tu veux. Alice? Réveille-toi, Alice. C'était pas un cauchemar alors? Non. Non, c'était pas un cauchemar. Ah putain, pardon, Karma. J'avais pas vu. Comment tu te sens? J'ai froid. Elle est palichonne, hein, cette petite. L'androïde qu'on a vu hier, il m'a donné une adresse. Il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas. Les trains passent juste de l'autre côté de la route. La gare ne doit pas être très loin. Tu crois que tu peux marcher un peu? Alors allons-y. T'es pas bien la gamine. Hein. Il pleut tout le temps dans le futur. Comme ça. Ah bah quand même. T'as vraiment l'air d'une humaine maintenant. Je suis. Y'a moyen de passer par la maison? Non. Alors le flic il va nous voir sortir de là. Ça va être génial. Il n'y a pas d'autre solution. La police est à nos trousses. Ok. C'est tout pour l'instant. Tu peux y aller. Aïe 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 aïe. Salut Shadow. On a des agents qui inspectent le quartier au cas où quelqu'un aurait vu quelque chose. Ok, préviens-moi s'ils trouvent quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Aucune idée. Aïe 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 aïe. Elle a pris le premier bus qui passait et est restée jusqu'au bout de la ligne. Sa décision n'était pas planifiée, mais fondée sur la peur. Les androïdes ne ressentent pas à la peur. Les déviants, si. Ils peuvent être submergés par leurs émotions et prendre des décisions irrationnelles. Ça nous dit toujours pas où elle est allée. Elle n'avait rien prévu et ne savait pas où aller. Elle n'est peut-être pas loin. Peut-être. Peut-être. Oh là 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 là. Suivez le monorail. Salut Redex. Yo le bouffe. On nous signale en 91-01 dans le secteur de Fernel à l'angle de Waverly et Broadway. Veuillez confirmer avant. Ah, le vol même pas, les...
trop mignonne cette android. Yo Sky Longburn. Sky Longburn, pardon. Salut Sky Longburn. On est grillé, putain. Merde. Arrêtez, police. Elles ont pris la direction de la gare. Ah, le bolos. Mais arrête de t'arrêter. Vivante. C'est chaud, putain. Hey, où tu vas comme ça? Je ne peux pas les laisser s'enfuir. Elles arriveront jamais à traverser. Je ne veux pas prendre ce risque. Hey, arrête! Tu vas te faire buter. Les connards! Nom de Dieu! C'est quoi ça? Tu es Connor. Il devenait déviant. On allait pouvoir être potes, lui et Kara. Mais il va redevenir flic modèle. Putain. Rip Connor. Avec trop de pression là. Non, il est chaud le QTE. Surtout quand tu connais pas une manette de PS4. Tu sais que tu. Genre, ça fait à peine 6 heures que t'es. Voilà. Merci à force pour tes 300 bits. Ah, une voiture. Putain. Aïe 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 aïe. Deuxième mort de Connor. C'était formidable. YouTube, on se retrouve pour la suite. Je pense qu'on va revivre une petite séquence avec Marcus. A tout à l'heure.